Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de ce Flash Chrono. Donc la semaine dernière, notre combiné pour doubler la mise est passé à 1,99. Donc ceux qui ont joué avec nous ont remporté quasiment 200 euros. On va essayer de faire la même chose cette semaine et mieux encore. Donc je vous ai préparé un combi avec 3 matchs. On commence tout de suite en Ligue 1 avec la rencontre entre Monaco et Strasbourg. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose à Monaco depuis l'arrivée de Moreno. On a l'impression que l'espoir renaît pour cette équipe. Pour son premier match, donc l'Espagnol, il a gagné en Coupe de France contre Reims. Donc on rappelle quand même que Reims, c'est la meilleure défense de Ligue 1. Donc ils ont gagné 2-1 avec un doublé de Kepa Balde qui a été chercher la victoire dans les arrêts de jeu. Et surtout, donc surtout Monaco, ils ont été bons dans la double confrontation contre le PSG. Surtout le premier match, hein, bien sûr, un premier match hyper plaisant à regarder qui s'est soldé par un match nul 3 partout. Mais il faut quand même noter que Monaco a mené 2-1. Alors le deuxième match a été plus dur, hein, bien sûr, avec la défaite. Mais on peut dire que l'ensemble reste vraiment prometteur pour la deuxième partie de saison pour les Monégasques. Si on ajoute à ça qu'avant la défaite contre Paris, Monaco avait remporté ses 6 derniers matchs à la maison, on a toutes les raisons d'être optimiste pour eux ce week-end. En effet, donc Strasbourg, c'est plutôt irrégulier à l'extérieur, et c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. C'est 7 défaites en 10 déplacements en Ligue 1. Sur ces 10 déplacements, il y a 8 matchs où ils n'ont pas marqué, et il y a quand même des défaites très moches. Donc il y a un 5-0 à Brest, une défaite 1-0 à Metz, ce qui n'est pas bien du tout. Donc vous l'avez compris, pour moi, ce sera une victoire de Monaco à 1,55. On enchaîne donc le deuxième match, on part en Italie donc pour la rencontre entre l'Inter et Cagliari. Donc l'Inter hein, qui fait quand même une très bonne saison, hein, ils sont deuxième derrière la Juve, une seule défaite depuis le début de l'année. Ok, l'Inter ils ont un tout petit peu ralenti depuis la fin de l'année 2019, c'est 4 nuls sur les 6 dernières journées. Mais en phase 2, donc ils ont une équipe de Cagliari qui a complètement explosé après un super début de saison. Ils étaient sur une série de 13 matchs sans défaite et là les Sardes ils viennent de prendre un seul point sur les 5 dernières journées. Et donc surtout dans le parcours de Cagliari, on voit qu'ils ont du mal contre les gros. Ils ont perdu contre la Lazio, ils ont perdu contre la Juve et ils ont perdu contre Milan dans les rencontres récentes. Donc pour moi, avantage Inter, cote 1,29, une bonne cote à prendre pour compléter le combiné. Et on finit donc le match en Espagne entre l'Atlético et Leganés. Donc l'Atlético hein, qui est troisième, ils ont perdu lors de la dernière journée contre Eibar, mais c'est quand même une équipe à qui on peut faire confiance, qui reste particulièrement solide, surtout à la maison. C'est une seule défaite contre le Barça, et si on regarde donc les 5 dernières réceptions, hormis cette défaite contre le Barça, c'est 4 victoires. En face, donc cette équipe de Leganés, 19e, ils ont pas gagné une seule fois à l'extérieur cette saison, donc ça devrait pas s'arranger sur une pelouse quasiment imprenable. Donc pour moi, ce sera la victoire de l'Atlético et c'est une cote à 1,39. Donc voilà un combi qui m'a semblé sympa. Donc 3 favoris à combiner. Monaco à la maison, victoire 1,55. L'Inter à la maison à 1,29. Et l'Atlético à la maison à 1,39. Ça vous donne une très belle cote sur 3 matchs à 2,78. Pour toute nouvelle inscription sur The Bet, donc sachez que vous pouvez bénéficier du plus gros bonus du marché, donc 150 euros de paris gratuits à aller chercher, donc un premier pari de 100 euros remboursé en paris gratuits. Donc c'est-à-dire que si vous misez vos 100 euros sur ce combi à 2,78 et que comme la semaine dernière le combi venait à passer, vous pourriez remporter 278 euros. Si le pari est perdant, donc vous êtes remboursé en pari gratuit et vous pouvez continuer à jouer. Vous pouvez même aller débloquer 50 euros de paris gratuits supplémentaires. Donc voilà, c'était Sylvain. J'espère que ce petit combiné vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du Flash Prono.